Salut à tous, c'est la Rêve, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Chaos Gate Demon Hunters. On est parti pour se diriger vers une mission, mais a priori, on devrait arriver trop tard. Sauf si, pendant ce temps, notre propulsion Warp, qui doit nous donner un petit coup de boost, arrive à son terme et nous permet ainsi, sur un coup du sort, de transformer une défaite en victoire. On va voir tout ça, mais avant toute chose et sans obligation aucune, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible. Il y a au moins une vidéo par jour. Ceci étant, retour sur la carte stellaire. Allez, on va tenter notre Vatu. Il manquait pas grand chose hein, pour qu'on puisse y aller. Donc si notre propulsion warp niveau 2 nous donne encore 20% de déplacement. Voilà, plus 20%. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lancer ensuite? Bémécanique, non, on veut améliorer. Hein. Chambre de méditation. 50% d'XP, oui. Ou un nouveau pronosticard. 9 jours. 12 jours. On va prendre le nouveau pronosticard. Quatre jours restants, impossible. Et bien sûr de ça. Ouais, ouais, dommage. C'est vraiment dommage. On va revenir par là. Le pronosticar est fait. Nickel. On va lancer, du coup. Il nous reste encore 31 serviteurs. Alors, il y aurait ça, hein, 50% de vitesse de récupération des blessures. Ça serait très, très bien. Mais on veut... plus d'XP pour le moment. Donc on va lancer ça et ensuite on lancera l'unité régénératrice. Ok. Allez, on termine notre déplacement. Nouvelle activité. Alors il y en a une ici. Il y en a une autre qui est là-bas. C'est tellement loin. Très très loin. Donc une ici et une après ici. 5 graines, propagateur, un grimoire, moins 1 de corruption. Un accessoire de grade 3, 12 jours restants. Sans aucune armure de maître. 10 serviteurs. Je suis pas fan, hein. Bolter Storm de niveau 2. On va essayer de faire les deux. C'est pas forcément gagné, mais on va tenter. Extraction avancée des graines, ça c'est cool. Cadon, dans 8 jours, il sera bon. Mission modérée. Ouais, on va peut-être pas y envoyer des noobs. Allez, on va faire ça. Plus une graine à l'extraction, donc ça c'est très très bien. On va pouvoir lancer une nouvelle recherche. Qu'est-ce qu'on va vouloir? Gain de stratagème, volonté 1. Un chevalier pour lui rendre toute sa volonté, ça peut être sympa. Hein.
prévention des pics d'activité. Ah, ça c'est mieux. On veut passer là-dessus. Moi, un coup de graine. On va faire ça. Ça coûte 1 graine rouge. Une graine Dolorus. Et ça nous prend 10 jours. On va partir là-dessus. Donc on termine notre déplacement. On a 2 pronosticards. Hein, normalement. Alors, sans aucune armure de maître, on va voir qui on envoie pour cette mission. Évidemment, on confirme. Kadon, non. Tu vas te reposer. Du coup, comme tu te reposes, bah c'est Suparoch qui va y aller, hein. Voilà, très bien. Ensuite, Darig. Darig, c'est Shinro qui va y aller. Quoique, t'es pas très loin de pouvoir prendre un niveau, mais quand même. On va envoyer l'équipe type. Ulrich, non, tu vas être remplacé. Par Boric. Et à Gravald. Je suis désolé, mais toi, t'es que niveau 1. Donc c'est Aegir. C'est l'équipe type qui y va, hein. Malheureusement, aucune armure de maître. Donc, il va falloir qu'on modifie certaines choses. Équiper un type d'armure, armure de puissance. Donc, voilà, on va passer là-dessus. De corps à corps, non. Type d'armure, oui. Armure Terminator, une armure Terminator classique, hein, du coup. On a pas le choix. Et enfin, notre apothicaire. Voilà. On a tout ce qu'il faut là-dessus. On n'a pas de cerveau crâne supplémentaire pour toi. Extracteur et Medicae, non. Épreuve deux fois. Ok, on est pas mal là-dessus, hein. Eh bien, on va y aller comme ça. On garde nos stratagèmes habituels. Et on commence la mission. Et on va essayer de faire au mieux, comme d'habitude. C'est parti. This cathedral was home to the heretic Nullinius, though his cult was marked for purging over 300 years ago. Time, or perhaps something else, seems to have done the deed for you, Knight. No matter what foul ground our enemy chooses to sow his seeds, we will cleanse it. Alors, ok, petite graine Poxus, encore. Ah, ça par contre, ça m'intéresse beaucoup du jeune.
Non, on l'a pas. Ok, c'est parti. Tout de suite. Donc les premiers sont par là-bas. Taking position. Toi, tu peux avancer jusqu'où? Jusque là. Ok, très bien. Et enfin, notre apothicaire. Oh, ils viennent vers nous. Voilà qui est parfait. J'aurais pas pu espérer mieux. Alors. Est-ce qu'on peut faire ça déjà? Yes. Pour voir à peu près combien ils sont. Ouh, ils sont très nombreux. Donc c'est plutôt bon signe, hein. C'est là que c'est des petits. Hein. Ok, tu vas rester là. Petite protection. Toi, tu vas te mettre ici. Petite protection également. En fait, on va les laisser venir, je pense. Thorak. Parce que là, il y a aussi un truc à jouer, hein. On va les laisser venir à nous. Par contre, toi, j'aimerais que tu aies un couvert un petit peu plus lourd. Ouais, pas comme celui-là, par contre. Tant pis. On reste comme ça, on les laisse venir. Ok, c'est détecté. Toi, je te connais pas. La graine, parce que c'est par ça qu'on va commencer, hein. L'extraction de la graine, cervocrâne extracteur, c'est toi, hein. Ok, je confirme. Ça, ce n'est pas atteignable, ça. Here. Curieux. Alors qu'est-ce que c'est que cette créature? Une souche de peste. D'accord. Ouh, 8 d'étourdissement, ça va être compliqué. Peu de corruption. Beaucoup de PV. Les alliés ciblés par les attaques de tir exécutées depuis ce nuage ou vers lui subissent moins 1 de dégâts. Ok, donc ça serait bien de le tuer d'abord. Peut-être une visée astrale sur lui. Non. Unleash me. Une grenade possible. On pourrait venir faire ça. Un PA et un de volonté. T'as pas regagné ton point, dommage. Target acquired. Par contre, on peut tirer là-dessus.
qu'on peut faire ça. C'est plutôt joli, hein. Ça fait un kill. Ah oui, t'as pas aimé, hein. Évidemment, t'as pas aimé. En termes d'XP, 1301. Ah, Boric. Boric, je veux que tu prennes un niveau sur cette mission. Et Aegir aussi. Alors toi, ton objectif, ça va être de l'affaiblir. Encore. Encore. Et là, par contre, je serais pas contre un critique. Ah, dommage. Si je fais ça, ouais, c'est pas folichon. Si j'y vais au cac et que je frappe en force. On va faire ça. Yes. T'as fait ton kill. On en est où en termes d'XP là? J'ai pas vu combien t'avais gagné. C'est pas grave. Tu vas aller te faire celui-ci aussi. Voilà. 3 points d'XP. Bah t'auras bien géré, Boric. Très très bien. Là non. Par contre, je me suis un peu trop avancé. J'aurais dû faire venir les autres d'abord. Ok, alors ce qu'on va faire. Standing ready. Tu pourrais venir ici, mais tu vas venir là. On va se mettre en position à peu près tranquillement. Toi, tu vas venir là. Au cas où. Ok, tu vas te positionner comme ça. Tu vas commencer à tirer. Pas de psy bolt. On commence à l'entamer. On prépare l'étourdissement également. Toi, tu vas venir là. Sous couvert lourd. Il y a encore deux graines à récupérer ici. Ah, je pensais que tu serais un peu trop court. Ouais, ça c'est moi qui ai mal joué. Allez, balance ta gerbe. C'est pas grave, on fera le tour. Ouais, vous en avez un petit peu posé partout quand même. Une pique d'activité warp. Qu'est-ce qui va se passer? Deux renforts. Des porte-pestes. Génial. Alors, toi, tu vas tirer. Un coup de psy bolt. Encore un.
Voilà. Toi, tu viens là. Tu vas faire un coup de psy bolt ici. Non, juste un coup de normal. Voilà. Toi, on va extraire. Parfait. Et tu vas frapper ici. Ok. Je vais prendre les deux points pour toi. À moins que ça soit toi qui t'en occupe. Ah ouais, tu vas plutôt faire ça. Et enfin ici. Histoire de contrer à cette vilaine malédiction. Oui, tu... Ah, tu peux pas le faire, toi. Toi, tu pourras le faire. Donc toi, tu vas venir ici. Continuer de le poncer. Ouf. Si tu crites, ça va faire très mal. T'as crit. Donc ça c'est bien. Sur lui. I am his will. The foe bleeds. Oui, encore. Un petit crit là, ça serait bien. Ouais, dommage. Toi, du coup, je veux que tu viennes là. Taking position. Parfait. Et tu reviens en position. Donc on a annulé la... ces renforts malédiction là. Oh joli. Et tu vas pas avoir le temps de frapper. Ok, tu te soignes si tu veux. Tu vois pas d'inconvénient majeur. Ah, Boric, du coup, tu vas encore faire un kill. Hein. Yes, commander. Non, tu vas le faire. Eh bah, tiens, ça tombe bien. Tu dois recharger. Parce que j'aime pas son 50% de parade. Donc, je préfère un bon coup de bolter dans la tronche. Voilà. Bourri qui s'embarrasse pas de fioriture. Firing now. Ok, là t'es étourdi. Du coup, c'est toi qui vas y aller. Donc évidemment tu vas te TP. Parfait. Une petite exécution. T'as récupéré ton PA, très bien. Je confirme, exécution. Un PA d'action pour tout le monde. Tirer dessus comme ça par contre. Ensuite toi, je suis en termes de portée, c'est pas foufou, c'est à dire que je suis plus qu'à la limite. Là ça le fait pas. Toi tu peux venir là, c'est pas suffisant. On va quand même tenter la vie astrale. Non,
non, ça marche pas. Hein. Pourquoi ? La couverture totale et la moyenne distance, évidemment. Total raté. Yes, commander. On va faire ça. Yeah. Et toi, il te reste 4 PA. Non, pas par là. Tu peux venir ici. Mais ça le fait pas, tu vas recharger. Oui, 2 sur 6, tu vas recharger également. Et c'est la fin de notre tour. Oh, je le sens pas là. On est dedans ou on est à la limite? Et il me rapproche des deux autres groupes. On va essayer d'en tirer un avantage. On peut avancer là. Oh, joli ça. Ensuite, toi, tu peux venir ici. Tu pourras pas tirer, hein. Parce que t'es beaucoup trop loin. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, c'est vraiment dommage ça. Tant pis, tu vas te TP. Juste derrière lui. Y aller juste comme ça tranquillement, étourdissement. Ouais, pourquoi pas. Another foul seed claimed. Et là, de toute façon, ça va passer tranquillou bilou. Oh. Ouf. Threat eliminated. Nickel. Alors, toi, t'es un peu trop loin. Tu vas te rapprocher un maximum. Oui, tu es ici pour servir. Avance. Toi, tu vas aller faire ça. Parfait. Et tu te mets là. Enfin, notre apothicaire. Notre apothicaire. Jusqu'où tu peux venir? Tu vas venir là. Même s'il faut toujours se méfier. Ah, les groupes s'enfuient. Pic d'activité warp. Malédiction du grand-père. Pas cool. Mais on peut gérer. Ok, ça les découvre. J'aurais pu mettre un truc de cette malédiction de saignement. Here's a good spot. Enemy sighted. On va en mettre une d'ailleurs.
Cuisant échec. Je récupère ça. Et tu vas venir te camoufler là. On peut tirer. Allons-y. Voilà, on commence à faire mal. Toi, t'es un petit peu trop loin. Et surtout, t'as pas du tout de couvert. Je pourrais faire ça. Mais je suis pas convaincu. Là, je préfère. Avec un peu de chance, tu crit. Non, dommage. Ah, Boric, t'es loin. T'es très très loin. On va essayer de te faire venir le plus rapidement possible. Voilà, ici. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant? Pas nécessairement. Oui, là, ça laisse plus grand-chose. Donc non. C'est qu'il n'y a plus vraiment de protection. Je suis pas entièrement convaincu. Va faire ça, tu vas prendre les deux points. Ça c'est sympathique. Retour. Je peux en prendre une de plus. Hein. J'ai le droit à une cible de plus. Hein. Autant qu'il y en a. Hein. Ça. Et après tu viens là. Ok. Oh, j'ai regagné un PA, c'est beau ça. On peut balancer une greue. Ici. Ça fait 2 kills. We are the hammer. Il te reste encore 2 points. On va quand même se protéger un minimum. Personne ne peut rien te faire si tu viens là. On va venir ici. On se met un petit bobo. Il faut laisser les kills pour les autres quand même, hein. Ok, tu saignes, on va s'occuper de toi au prochain tour. Tu me fais ça, tu vas me balancer la grenade derrière. Franchement, ça me pose absolument aucun souci. Ah, tu l'as pas fait sur... Tu as changé ta technique. Ok, t'es suppresse, c'est pas un souci. De suppression, pas de problème. Il a bien attiré l'attention après avoir foutu un sacré bazar. C'est très très bien. Un petit chino,
fait ton boulot. Ah, malheureusement, on peut rien faire. Si je viens jusque là, j'ai pas de visibilité, j'ai pas de visibilité. Red Blade is yours. Non, on peut faire ça, ça en fait au moins un qui tombe. At your command. At your service. Ouais, tu peux aller au CAC. Allons-y. Petit coup de crosse. Ouf. Voilà quand même. Foe destroyed, commander. Yes, commander. Ça m'embête un peu ça quand même. Pour un fracasseur, c'est un crit assuré. Ça tue pas hein. Tu vas venir là et balancer ta grenade. Ça va donner. Ok, toi. Tu peux venir ici et en tuer un. Donc tu vas le faire, ça prend un kill. Parfait, pas besoin de petit bolt. No demon shall avoid its fate. Toi. Alors. Je crois que t'es très très loin. 1305. Shinro, bon, c'est vrai que t'as fait beaucoup de kills tout à l'heure quand même. Hein. T'es cloué au sol, mais bon. Allez. Down! Tu récupères la grève. Destroyed. Parfait. Donc maintenant on va pouvoir s'avancer. On va quand même y aller à peu près tranquillement. Hein. Yes, commander. Pas être trop trop gourmand. Ok, là ça le fait. Toi, en fait j'aimerais que tu viennes jusque là. Moving out. Si toi tu déclenches, c'est pas grave. Ah, j'allais dire, ils sont bien paqués, mais pas tant que ça. Non, fais pas ça. Ok. Enemy sighted. On peut faire ça. En visée astrale, ça donne quoi? Désactivation d'armes de tir. Récupérer la graine. Ah oui, j'avais oublié ça. Ok. Another foul seed claimed. Alors, ce qui serait peut-être de bon ton, du coup. Faire ça. Ok, presque 2 PV. Et
si je te tire sur toi. Alors oui, je pourrais faire des kills, hein. Mais je veux pour l'instant qu'il affaiblisse pour laisser la possibilité à d'autres de faire des kills, même s'ils vont être... Si là tu vas être bien, tu vas pouvoir en faire un toi. Psy Bolt, yes. Moins un. Là je peux faire deux. Est-ce que ça suffira? Non. Tu vas quand même venir ici. Si tu fais ça, ça suffit pas. Oh, un petit bolt, ça suffit. Et ben parfait. Comme ça, ça te fait un kill. Et toi, vu que t'as beaucoup de points. Ah, ça t'en fait qu'un là par contre. On va aller au CAC. It will be done. Ok, là ça explose. On va voir les renforts ennemis qui vont se pointer. Oh joli, tu y as pris. Allez, un renfort encore. Ça fait du monde. Et là on a quoi? Des porte-pestes. D'accord. Alors, j'avais pas besoin de ça. Moins de 50% de vulnérabilité au crit. J'avais vraiment pas besoin de ça. Cependant, on peut faire ça. Voilà, il y en a trois qui prennent le saignement. Standing ready. Désactivation de l'arme de corps à corps, oui. Comme ça, t'auras plus de parade. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Yes, commander. Si je viens là, tu peux faire deux. Tu vas prendre les deux kills. Bien joué, Boric. Ici. On va frapper normalement. Oh! Malheureusement. Ou alors c'est toi qui y va. Ah, t'es trop court. Et là t'es trop court. Non, bah c'est toi qui va prendre le kill. Parce qu'on a besoin des PA supplémentaires. Hein. Tout simplement. Voilà. Toi, t'en as besoin pour venir te mettre à l'abri, genre ici. Voilà.
Voilà. Quoi t'en as besoin? Your orders? Ici. At once. Est-ce qu'on veut t'allumer? Empty. Ah, oh, c'est pas vrai ça. Pas cool du tout ça. Et il me reste combien? 2 sur 3. On va faire ça. Et après tu vas pouvoir te mettre là. Toi donc tu recharges. Et il devrait t'en rester 2. Bah c'est ton... Le kill il est pour toi. Hein. Confuse. Alors. Your orders? Toi, tu peux venir là. Donc, t'as fait suffisamment de kills. On va plutôt faire yes, ça. Commander. Là, tu tires. C'est pas ce que j'espère, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Petite protection Aegis. Mais là, dans l'eau, il y en a qui vont commencer à saigner. Attack! Kill them all! Overwatch. Overwatch. Si tu veux, normalement, on est bien protégé. Voilà. Loading grenade. D'accord, c'est comme ça que vous le prenez. Bon. Déjà qu'on annule ça et ça. Ça on peut pas le faire. On peut faire les... Il nous reste un tour. Donc on va prendre les portes de l'infini. On va se poser juste là. Même pas. Même au milieu d'eux. Là comme ça. On va tenter quelque chose de bien ballsy pour une fois. Hop. Alors. Ready to serve. Toi. 1662. Hello, Titan. Voilà, tu te fais un petit kill. Boric. 1202. Ah, c'est peut-être toi qui va tuer tout le monde alors. Seabolt. T'as plus de munitions, évidemment. Donc on va t'aider. For Titan. Ça, c'est un peu plus que de l'aide quand même. Hein. Unleash me. Et ici. Allez. Your end.
Désactivation, ça provoque ou plus un détourdissement. Plus un détourdissement. Pas besoin de frapper en force. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire, tant pis. Il te reste 2 points, oui. Ah bah non, 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 tu vas aller te le faire au cac. Parfait. Là, ils ont plus de renfort. Un tour avant l'extraction. On va balancer les Aegis. On en a un qui doit se faire soigner. Eh bien, c'est toi-même. Ok, tu vas faire ça. Et il faut également que tu soignes vite fait ton copain. Souparoch qui avait pris un petit pet, hein, pas grand chose, juste de quoi égratigner son armure. Mais quand même, moi, comme ça c'est bien plus propre. Et on va terminer le tour. Là ça fait boum. Voilà, c'est parfait. Honnêtement, une mission parfaite. On a fait un petit séjour dans notre ancienne cathédrale et ça s'est plutôt bien passé. Enfin, notre ancienne cathédrale. Une cathédrale de l'Imperium. Alors, qu'est-ce que ça donne? 4 jolies petites graines jaunes, 17 graines Poxus. Bon, bah, je crois qu'on n'en a plus besoin, hein. Mais bon. On a éliminé tous les porteurs de graines, on a remporté l'Octe Glorieux, la mission sans aucune armure de maître, 10 Servitors. On va voir ce que vaut l'arme de tir, je suis intéressé. L'armure Terminator niveau 2, pourquoi pas avoir? Cerveau crâne niveau 1. Pourquoi pas aussi pour notre deuxième apothicaire. Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça nous donne? Une frappe désespérée. Plus 10 de crit. Surveillance. CA ajouté. Perforation d'armure. Plus 2 de dégâts. Pourquoi pas? Plus 1 de dégâts, ce chevalier gagne une utilisation par tour pour chacune de ses compétences auto. Furie vertueuse. Et le cerveau crâne. Cible un ennemi à une distance de 10, infliger 2 points de dégâts. Non. Et l'armure, plus 3 d'armure, ok. Et 10% en résistance. Volonté de l'Aegis. Ah. On va la prendre. Et là on gagnait quoi? Un justicard de grade 3, non. Oui, à voter. Ouais, personne prend. Par contre on se rapproche, hein. Bon, Shinro, pour passer grade 9, il t'en faut beaucoup. Mais t'as fait pas mal de kills, hein. Souparoch, tu t'approches aussi, hein, tout doucement. Boric, t'as fait un joli petit pas. Hein. Il t'en manque pas des masses. Eh, hey, Gear, faudra encore un peu de travail. Mais ça fait une mission bien menée. Et on va essayer d'obtenir celle-ci. On est trop court. Impossible. Décidément. Quelle tristesse. «
C'est vraiment dommage. Et là, je suppose qu'on est qu'on est également trop court. Impossible. Ouais. C'est compliqué, ça. En tout cas, on verra ce qu'on peut faire dans le prochain épisode, celui-ci étant arrivé à son terme. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le clap, à savoir commenter, liker, vous abonner et partager. Surtout, n'oubliez pas de partager car vous le savez, oui, vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao. Bye bye.